Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, ou plutôt nous allons nickel. Je sais pas même si c'est français, si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui c'est une session très particulière parce que je ne suis pas tout seul. J'ai été invité par les youtubeurs de Road to Fish, Anthony et Johanna. Salut. Voilà, je suis chez eux, donc sur le Tarn, sur le spot de la Grave qui est très connu. Johanna revient dans le champ, voilà, hop c'est parfait. Donc ce sera pour une pêche au black bass, forcément vous doutez bien, au vu du spot, c'est une majorité de bass et de sciure ici, au vu du matériel et que je suis basseur de base, on va pêcher le bass. Donc je vais leur faire voir un petit peu les techniques que je connais, je vais partager tout ça. Hein. Voilà, on va pêcher au crank, on va essayer d'abord un petit peu en power fishing, du crank, du shatter. Et si jamais ça prend pas, on passera sur les techniques plus finesse. Et je sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment sur le worm, c'est toujours un peu le leurre à tout faire. Sur le bas ça marche toujours, donc quand ça marche pas, on risque de passer sur le worm, on verra ce que ça va donner. Et si ça passe pas non plus, l'écrevisse, et là on est sûr de faire du poisson. Allez, alors qu'est-ce qu'on fait? Pouce bleu, les potes, on vous montre pas de poisson, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, mais de toute façon, c'est clair et net, si jamais il n'y a pas de like, si jamais il n'y a pas tout ça, les basses ils se pointeront pas, mais ça c'est clair et net, c'est aussi un inconditionnel. Ah oui, c'est un bas, ce sont des poissons, t'es capricieux, il faut du like pour qu'il y ait du poisson, pour qu'il se montre. Donc pas de chocolat, pas de pouce bleu, pas de poisson, non mais oh. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc comme je disais, on like, on commente, on partage. Et on s'abonne aussi si ce n'est pas encore fait, mais pas qu'à ma chaîne aussi, à celle d'Anto et Johanna de Road to Fish. Voilà, vous allez voir si vous aimez un peu la pêche du sciure, voire même pas mal la pêche du sciure, mais du multicarnassier, et pas que du multicarnassier, car il y a aussi un peu de carpe, un petit peu de brème, du mucus, tout ça. N'hésitez pas à aller les soutenir, je vais mettre le lien dans la description. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à se mettre en caméra embarquée et de commencer la session. Allez, let's go. Ciao. Ah putain. Ah, c'est pas... Bon, c'est à côté, je crois. J'espère. C'est une cache, on va sortir. Juste à côté aussi, là. Dire, il voulait un petit des pantalons des cartons Caperland. Ouais, tu peux les vendre. Le jeune qui est derrière le comptoir, il a sorti le comptoir, il dit casse-toi, je te déboîte. Putain, mais ça. Oh, poisson. Ah, tu vois. Ça, c'est un bass. Petit, ouais. Oh, oui. Ah non, pas une perche. Ah, regarde, tu fais là. Voilà, Fifi. On commence. Ouais, elle-ci, c'est bien ma fifi. Allez. Ah, mais même ici, enfin, excusez, mais même avec une pression, franchement, il n'y a aucun problème. Allez, lâche. Je vais ressortir ma petite pince. Et voilà, bah oui. Mais autant, tiens, elles ont mis du temps à démarrer cette année, les perches. On a eu beaucoup de mal à en faire. Et puis là, d'un coup, ça fait quelques semaines. En hiver, on a fait beaucoup la verticale, tu vois. Et de la bise, vraiment, on a 35-40. Voilà. Et bien, première petite perche. Première petite perche. Allez. Elle est magnifique. Elle est bleue, t'as vu? Allez, tu retournes à l'eau, ma belle. Hop. Petit. Ah, c'est ça, et quand il a faim. Ah ouais, c'était la foule. Et nous, c'est la particularité de certaines de nos gravières. Yeah. Et voilà. Et un black pour Anto, un black, un. Changer le. Magnifique. Le crâne que j'ai mis celui qui fait le taf, on va dire. Allez, le baby! Et ben voilà! Il reste plus qu'à Johanna à valider parce qu'elle a décroché!
Ouais, ben j'ai pas l'impression qu'au crank ça va beaucoup bouger là. Donc, ben, depuis tout à l'heure, je passe au crank et j'avoue que je ne fais pas grand chose. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, je vais m'amuser à lancer des worms. On va voir ce que ça peut donner. Mais là, franchement, je vous avoue que par rapport aux dernières sessions que j'ai fait ici, eh ben, je suis un peu surpris que ça ne marche plus trop le crank. Bon, allez, on va se le donner un peu au worm. Hop, oh putain, là ça vient de chasser derrière. Hop. Non plus. Ouais, ils sont, ouais, je sais pas, ils sont calmes. Hein, ils sont calmes les bougres. Poisson. Hop. Hop là. Et voilà, un petit basso worm. Et hop, un petit basso worm pour commencer la session basse. Tu vas retourner à l'eau. Et bim. Et poisson. Hop. Ah, il est un peu plus beau que les autres. Ah, il est un peu plus joli. Il va faire à peu près 30. Ouais, 30. Ah, mais arrête, j'ai pris ma douche. Ah, il est énervé, le con. Et bim! Et le worm, ça marche toujours hein, quand même. Vous avez vu. Allez, retourne à l'eau. Et bim! Venez! Eh, c'est ça que j'aime bien avec les bâches de chez vous hein, quand même. C'est qu'ils sont beaucoup moins habitués au worm et tout, et on peut utiliser les techniques que sur Toulouse elles marchent plus, là ça marche encore. C'est le côté cool. Ouais, j'avoue, ils sont. Voilà, ils sont un peu. Ben, c'est l'avantage d'avoir une densité de petits. Les petits sont un peu débiles, ils tapent sur tout ce qui passe, ils s'en foutent. Ah bah c'est sûr. Ah c'est ça la pêche au cou. Moi avec ma petite je vais commencer un peu à m'y remettre de temps en temps. Parce que bah, quand elle est petite forcément tu peux pas trop faire 50 solutions. Mais c'est sûr tu t'ennuies vite. Enfin, moi je sais que la pêche au cou. Ah poisson. Il m'a l'air un peu plus gros là, il met des beaucoup de têtes le chacal là. Ah, il met des coups de tête hein. Ah oui, il est plus gros lui en fait. Lui est plus gros, lui, viens là. T'es où Jean-Paul, viens là. Putain, mais il tient le fond le chacal. Oh non, il est pas aussi gros. Eh non, pas dans mes palmes. Non. Ah si, il est joli, hop. Et bim, et encore un, boum. Hey. Te calme.
Et boum. Ouais, et ça fait bim bam boum, ça fait bim et ça fait boum. Hein. Voilà. Ah, je chantais, il tenait bien le fond l'animal. Là, je dirais ça fait un 35 ça. Enfin, un peu moins. Attends. Ouais, mais ils ont de quoi manger ici aussi. Hein. Ça aide pour eux. Elle est où mon petit ruban métrique? Non, je dirais 30. À vue de pif comme ça. Ouais, il fait 30, 31. Pas mal, ouais. C'est ça, ouais, 31. Voilà. 31 pour le Toulousain. Ça, c'est beau. Allez, tu vas retourner à l'eau. Yop. Yeah. Tu prends deux fois le tapin, ben c'est fini quoi, t'as un autre. Amuse-toi avec ça. Ah merci. Ça va. Anto. Allez. Voilà. Ici c'est très peu. Tu vas voir. Ah non mais moi je le vois souvent ici. C'est ceux-là que je disais, ouais. Bon, tu vois. Ceux-là ils sont ouais, super. Pas les autres là, dans les français, ils vont très très bien. Ah ceux-là ils sont. Ça c'est les finesses. Et voilà, poisson pour Anto. Et ben voilà, au worm. Je t'ai dit, c'est la base. La base de chez la base. Et ben bim, c'est parfait ça. Bon, après un peu de galère, voilà, hop. Et bien, il faut aller dans les frondaisons au worm, faut pas chercher plus compliqué que ça, faut pas sortir les leurres qui coûtent je sais pas combien. Juste des hameçons simples, un worm, et voilà, ça fait le taf. Allez, hop. Bien joué. Ciao. Ça marche ma technique là. C'est basse de ouf, hein. Elle fait attention si elle ferait, elle m'assomme. Ah, et voilà. Oh la belle branche. Voilà, moi je nettoie, tu vois. Hop, la prise de Johanna au worm. Oh putain, avec le truc bien gluant là. Bah. Là tu le veux pour chez toi? Ah là là. On peut faire une déco. Je pense qu'ils nous disent d'aller se faire foutre maintenant. On t'a dit, non. Tu m'as loupé une fois, pas deux. Oh, poisson! Putain! Et hop là, dans la poêle. Et voilà, on a trouvé la pêche. Ah oui, là on l'a vraiment trouvé. Allez hop. Oui. Je l'ai mis, il fait une chandelle, il ressaute dans le truc. Ouais, bah ça faisait un petit moment là que ça avait été calme. Et en fait, c'est con, c'est la truc, voilà, comme on dit, hein, le truc le plus bidon du monde, c'est le worm. En balançant, mais il faut vraiment aller l'envoyer juste devant les frondaisons. Et attendre, en fait. Ils prennent sans aucune action, ils attendent que ça tombe dessus. Et là, là c'est Anto, lui, qui a trouvé l'astuce. Donc, ça, c'est l'avantage de pêcher à plusieurs aussi, c'est que on essaye des modes de pêche un peu différentes. Et au bout d'un moment, dès qu'il y en a un qui trouve le truc, et en fait, voilà,
Ça, c'est parfait. Donc, tout le monde se réamuse. Johanna pêche beaucoup de branches aussi aujourd'hui. Ouais. Mais parce qu'on prospecte dans l'eau, bah, Johanna prospecte hors de l'eau pour voir au cas où il n'y en a pas un qui s'est évadé. Voilà, du poisson hors de l'eau, comme elle vient de dire. Allez, on continue, on continue. Ah, je vais te valider, toi. Et voilà, les poissons pour... Oui. Ah. Oui. Validé. Validé, oui. Oh, il est beau. Ah, il est joli. Oh, la couleur qu'il a. Il est joli, il est joli. On va te dire comme ça, je peux encore me dire, ouais, tu tiens mal, les poissons. Exactement. Regardez-moi ça. Au worm. Allez, au worm, toujours au worm. Allez, poulet. Et moi, je ne montre pas à nous. Il est beau, hein. Oh, la foirée. Voilà. Et voilà la douche. Allez, la douche. Allez, c'est bon, ça continue. Nickel, on continue au worm. Et bim, ça y est, elle a baissé sa canne. Elle a baissé sa canne. Enfin, je ne suis pas si titu quand même. Et ben voilà. C'est le meilleur exemple. Quand tu vois les autres qui arrivent à faire les poissons, tu dis bon, bah, au bout d'un moment, je vais écouter. Hein. Ouais, bah là, c'est clair. C'est bon, quoi. Ah. Et voilà. Voilà. Ça filme. Et voilà, enfin. Bon, il ne fait pas le focus, mais bon, on va le voir à un moment donné. C'est bon. Allez, va. Allez, nous, on y retourne. On va essayer de faire encore du bass, toujours avec les worms. C'est joli et c'est parti dans l'arbre. Putain, ouais. Alors je pense qu'il m'a tanké. Il m'a tanké. Ah mais c'est bon, il est sorti. Viens là, putain, mais il est... Non, pas dans mes palmes. Oh oui. Oh, celui-là, c'est un gros, hein. Et voilà, papa, il est là, papa, bordel. On l'attendait depuis ce matin. Je viens faire le braquage dans le Tarn. Boum. Bien joué. Ça, c'est un braquage en bande organisée. Superbe. Et voilà, le steak. Lui, c'est à peu près que... Là, ça doit faire 40. 40, presque 50. Attends, je vais pas le foutre sur cette toise là. Hein, ouais. Parce que celle-là, il va glisser. Et vu que j'ai encore perdu un brochet hier comme ça. Impeccable. Voilà. Bon, normalement, ça se toise bouche fermée, tout ça. Mais on va avoir juste une idée approximative. Là, c'est 40. C'est un 40 qui est bien large en fait. C'est un 40 bien obèse, qui est bien nourri. Tu m'étonnes, dans le Tarn, il y a de quoi manger. Et ben, ça continue à faire du poisson, mais là, le problème, c'est que j'ai un petit souci avec la GoPro, c'est qu'elle se met en surchauffe, il fait vraiment chaud. Donc, elle se met facilement en surchauffe, ce qui fait qu'il y a des moments où je suis obligé de couper la vidéo, de ranger la caméra, histoire de la refroidir, pour ensuite pouvoir filmer. Et puis, ben, bien entendu, je continue à pêcher quand même, même hors caméra, je pêche. Donc, ben, c'est sûr qu'en fait, à la vidéo, ben, vous n'aurez pas tous les poissons que j'ai fait, mais il se fait du poisson. Alors la pêche est difficile, franchement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont d'habitude. Ils sont un peu plus réactifs, les basses, ici, visiblement. Mais on arrive à goûter. Mais il faut vraiment, vraiment être très précis dans les lancers. Vous voyez, on pêche au worm, en fait, il n'y a que ça qui prend. J'ai réessayé quand même. J'ai réessayé avec d'autres. J'ai réessayé avec du Fatica. J'ai réessayé de repasser au shatter. J'ai réessayé de passer au crank. Et non, il n'y a vraiment que le worm. Ils ne veulent vraiment que le worm. Il faut quelque chose qui leur descend tout doucement devant eux. Et au vu de la taille moyenne des poissons, je ne peux pas mettre des grosses crocs, tout ça et tout. Donc je suis vraiment obligé, par élimination, je suis vraiment obligé de pêcher qu'avec du worm. Et je vous avoue que là, ben, j'avais pris deux sachets. Bon, ils n'étaient pas remplis à ras-bord les deux, mais là concrètement, il doit me rester 3 ou 4 worms, pas plus. On a défoncé les... enfin, ils nous ont défoncé les sachets en fait. Enfin voilà, ouais, ils sont derrière, voilà. Hop, Anto et Johanna, encore toujours. Anto qui est en train d'essayer de déclencher des basses qu'il a vues visiblement, mais qui ont du mal à vouloir prendre. C'est ça aussi, des fois, c'est le jeu. C'est avec le bass, il peut te faire tourner en bourrique sévèrement, quoi. Allez, je m'en mets en caméra embarquée et on continue. En pleine nuit contre une berge en bordure, j'ai récupéré, quoi.
c'est un silure qui avait pris. Hein. Bon, pas un gros, forcément, mais... Ah. Attends, donc. Poisson. Devant moi. Ah, il est beau. Ça va tout au milieu, les gars. Ah bah ça y est, c'est... Et voilà. Ah non, il s'est décroché. Ah non. Il a fait la volée, je crois. Ouais. Ah ben voilà. Décroché encore. Bon, après, franchement, c'était un pins. Hein. Ah oui, je l'ai mis là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les poissons. Hé, hey, à vue. Et hop là. Et voilà. Et encore un bass, mais vous voyez, toujours, toujours au worm. Boum. Et pour le bass, il pipip. Willys. Et hop là. Hé, hey, le boss le plus facile de ma vie. J'étais en train de bugger là. Et d'un coup, à quoi, à 2 mètres, je vois passer deux basses. Je prends la canne, je fais ça, je pose. Bim, poisson. Oh, poisson. Ils ont les watts hein, quand même, Inda. Ils sont pas gros, mais ils ont les watts. Et bim! Et voilà! Bien lancé, bien millimétré, vraiment comme tout à l'heure, toujours à la descente, mais au ras de l'obstacle, mais au ras du poil de l'obstacle. Et ça termine dans la bouche, et bim. Voilà, et ça fait bim, bam, boum, ça fait bim, et ça fait boum. Et bim, bim, bim. Et voilà, le worm. Si vous voulez la référence, la family, eh ben c'est tout simplement cela, les zooms. Les zooms, bon là tout à l'heure on a fait en black and red, et là c'est du green pumpkin, vous voyez, mais même les deux coloris fonctionnent aussi bien l'un que l'autre. Voilà quoi, si vous voulez, je vous donne la référence, c'est cadeau, les zooms. Bon ben voilà, là, la fin de session est arrivée, hein. Là on retourne à la mise à l'eau, mais comme on a vachement palmé, et c'est pas qu'on est fainéant, mais c'est qu'en fait je pense qu'on va tout simplement mourir d'épuisement, hein. Donc en fait on a trouvé des gentilles personnes, des gentils pêcheurs qui vont nous ramener, donc on se fait tracter en bateau, donc sur le flot tube, c'est assez original. Voilà, allez, on vous reprend à la mise à l'eau, hein, pour faire la conclusion. Bon ben ça y est la famille, la session est terminée. Bon ben comme vous avez pu voir, bon ben le crank on a vite oublié, hein. On a voulu passer, on a voulu essayer de faire vraiment du crank, du power fishing. Et en fait on s'est aperçu très tôt ben, que si on pêchait pas avec le worm, et vraiment en leur foutant à ras de l'obstacle, à ras de la bordure, mais vraiment au plus près possible, et ben il n'y aurait rien qui aurait pris. Et ben heureusement qu'on avait du worm avec nous, ben, ouais, sinon ça aurait été un long fleuve tranquille, sans basse. Comme je le répète sur les vidéos, ayez toujours un potentiel, un panel voilà, de leur choix, en fait. Ouais, et voilà, toujours avoir de quoi faire du power fishing, mais surtout pour les coups durs comme aujourd'hui. Hein. Comme aujourd'hui, et ben, il fallait impérativement là, une technique finesse. Et là, c'était le worm qui a fonctionné. Ah ouais, on n'aurait voilà. Pas eu ça, on n'aurait pas fait beaucoup de poissons, je pense. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair. Et moi, je tiens à remercier donc Anto et Johanna pour cette super journée avec vous au bord de l'eau. Franchement, sur l'eau, voilà. À refaire très vite. Et voilà, bon, on se refera encore des sessions. Il y a moyen, faire du record encore. Voilà, et là, on essaiera de monter les tailles. Et puis,
Johanna, et ben elle me promet maintenant de ne plus combattre un black bass, la canne haute. On met toujours la batte. Dès que vous ferez un bass, toujours la canne vers le bas. Sinon, vous le mettez vers le haut, il saute, chandelle, il se décroche. Et puis, on se retrouve avec un nombre incalculable. Voilà. Donc, elle a raté un très, très gros en plus. Ah oui, ouais, voilà. Bon, on a quand même fait un 40, enfin, tout 40. Voilà. On a quand même fait un petit peu toute taille. Donc, on s'est vraiment bien amusé. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très sympathique. Bon, je vous l'avoue, on est rincé. Alors, je tiens aussi à remercier dans cette vidéo les messieurs qui sont en basse botte là et qui ont réussi, qui ont bien voulu nous tracter en flotte tube, parce que franchement, sinon, dans une heure, on était encore là, ça aurait été compliqué et on était HS. Donc, merci encore à eux. Mais... Donc, pour tous ces basses, pour Anto, Johanna, pour ce spot magnifique qui est le Tarn et pour ces messieurs sur le basse botte. Une bombe de likes, c'est tout ce qu'on va vous demander. Du pouce bleu, bien entendu. Commentez comme d'habitude, likez, enfin partagez. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme je le répète aussi bien à ma chaîne, donc Redneck Fishing, que la chaîne d'Anto et Johanna Road to Fish. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà pour la plupart tous sa chaîne, enfin leur chaîne. Oui. Donc voilà, et puis je vous du fond du cœur, on vous kiffe. Allez. Ciao.